Moteur. Séance de tournage sur le port de Concarneau. En face de l'objectif, le maître du port. Il le dirige depuis 1977. Comme lui, une quarantaine de personnes vont témoigner devant la caméra sur la vie maritime de Concarneau. Ce sont des témoignages oraux et puis probablement, peut-être dans certains cas, on n'aura plus la possibilité d'avoir contact avec ces gens qui sont parfois très âgés et qui ont vécu des choses et qui peuvent nous les raconter à vive voix. Des témoignages que les visiteurs pourront bientôt découvrir sur leur smartphone grâce à la technologie des flashcodes. On va le retrouver donc sur 10 points dans la ville. En fonction des témoignages recueillis et des sujets abordés, donc qui sont représentatifs du paysage d'aujourd'hui et d'hier. Donc on pourra les flasher avec un téléphone portable et donc on aura un lien vers un site internet. Parmi les témoins de ce parcours, Alain Yernard, il vient parler de la société nautique de la baie de Concarneau. Je vais raconter un petit peu l'histoire de cette société nautique de Concarneau, qui était la première dans la région. Il y a un petit peu de nostalgie parce que c'était une belle école, c'était une belle société. Une visite technologique qu'il sera possible de découvrir lors des journées européennes du patrimoine au mois de septembre.